bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve pour une nouvelle visite les amis. Aujourd'hui on découvre une incroyable maison moderne, regardez elle est juste derrière moi, elle est magnifique. Elle est immense surtout, regardez la taille qu'elle fait. Voilà, j'espère que ça vous plaira, comme toujours les amis, un max de likes, ça me fait super plaisir. Je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus, bonne vidéo. Et c'est parti! Alors oui, il fait beau, ça fait plaisir. Il y a 5 secondes encore, il pleuvait. Hein. Vous avez de la chance. J'ai juste commencé la vidéo et il a arrêté de pleuvoir. Du coup, regardez, vraiment super classe. Une très très belle piscine. Je vais prendre une petite photo, ne bougez pas. J'en profite. Hop, voilà, pour la miniature. Il faut toujours prendre des photos pour les miniatures. Voilà. Et du coup, on a une très très belle piscine, comme je vous disais. On peut se baigner dedans. Voilà, très bien l'été. Vraiment, vraiment très agréable. Un petit peu de fraîcheur, une petite dose de fraîcheur. Ici, on a apparemment une petite table, voilà, pour jouer aux cartes entre potes. Hein. Au bord de la piscine, après une bonne baignade, rien ne vaut un petit jeu de cartes pour se relaxer. Ici, nous avons j'allais dire un pommier, mais non, c'est un grand arbre. Voilà, on peut tout à l'heure. Donc, je m'abritais de la pluie ici. Vous voyez pas, j'étais caché ici, voilà, au sec. J'avais peur de la pluie. Du coup, j'étais juste ici parce que, oui, moi je m'abrite pas dans les maisons, je m'abrite sous les arbres. Voilà, chacun s'abrite comme il veut après tout. Donc, voilà, très joli arbre dans le jardin. Je vais vous montrer un petit peu ici. Ici, il y a un très très joli bar. Vraiment sympathique. Donc voilà, évidemment vous arrivez ici, vous êtes servi et tout, etc. Et vous avez l'architecture de cette maison qui est impressionnante. Hein. Vous avez, il y a des piliers ici. C'est une maison énorme, très rectangulaire, mais vraiment super sympa. Donc là on a son portail. Je vous ai pas montré son petit portail. C'est vraiment cool. Hein. Genre j'aime beaucoup l'architecture avec une petite muraille qui protège un petit peu, qui lui donne un petit peu d'intimité. Voilà, qui quoi que c'est pas très haut. Hein. On peut voir au travers. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Vous avez vu son portail est pas très haut. On peut voir sa maison, on peut le voir. Donc voilà, il aime bien se montrer vis-à-vis de ses voisins. Certains voisins ont des barrières beaucoup plus hautes. Hein. Vous avez que lui par exemple, il aime pas trop le vis-à-vis. Il a mis des hautes barrières. Voilà. Donc lui, c'est du genre, il est du genre à se montrer, à se la péter. Il aime vraiment vraiment bien. Je reprends une... petite photo, il aime vraiment bien se montrer. Donc voilà, il a une petite barrière. Maintenant passons à l'intérieur parce que sa maison, le plus important c'est l'intérieur. Donc là vous voyez, il y a un petit garage, il a deux garages donc sans voiture. Je vais voir, il n'y a pas de voiture dedans, donc c'est à dire qu'il est en vacances, il est parti faire les courses et je suis chez lui en toute infraction. De l'autre côté vous avez son voisin, donc là qui habite juste ici, donc ici il n'y a pas de jardin, donc vraiment c'est son voisin qui a une très très jolie baraque aussi. Ils font vraiment des maisons très vraiment incroyables, on va pas se mentir. De très... vous avez vu dans le quartier, toutes les maisons sont magnifiques, on va pas se mentir. J'ai pas vu une seule maison qui est pas belle, sans mentir. Alors allons-y. Du coup, attendez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que nous avons ici, docteur? Ah, les poubelles avec le tri et tout, c'est génial. C'est un écolo, j'apprécie, j'apprécie. Alors, très beau tapis, j'allais dire Ying et Yang, un peu tapis chinois, mais je sais pas du tout, je vais pas dire de bêtises. Un petit salon des familles. Tiens, je pique des idées. Hein. Par exemple, je vais faire les tables en glace, c'est magnifique, genre. Et puis, vous avez vu le nouveau design de canapé? C'est cool, hein. Franchement, ils ont des idées de fou. Une petite zone vraiment, vraiment sympathique. Je sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Peut-être une petite zone pour jouer à la Wii U. Je sais pas. Oh là là, l'énorme canapé. Mais c'est classe de fou. Regardez ça, genre. C'est un canapé taille vraiment basse, vous avez vu, avec une petite table et tout, c'est super stylé, hein. Franchement je suis assez impressionné. Une très grande bibliothèque ici. Ici on dirait que c'est un petit peu, je sais pas, asiatique. Vous voyez les autres comme ça, généralement t'enlèves tes chaussures, ça me rappelle un peu les trucs dans les genre mon voisin Toto et tout, etc. La petite partie cuisine vraiment sympathique, et ici une douche, ok. Alors c'est la cuisine, non c'est peut-être la salle de bain, ouais c'est peut-être pas la cuisine. Ça me paraît un petit peu bizarre la cuisine avec une douche juste à côté, c'est plutôt la salle de bain on dirait. Une très très, vraiment une très très, même à l'intérieur l'architecture est très poussée, c'est assez impressionnant. Vous avez vu, il a soigné son sol, très sympa. On va visiter un peu toutes les pièces ensemble. Ici c'était le garage, vous avez vu tout à l'heure. Il a la place pour deux voitures, celle de sa femme et lui sans doute, hein, parce que je vous rappelle que les Américains, ils ont tendance à avoir une voiture par personne. Ça c'est pas une blague, c'est plutôt vrai d'ailleurs. Ici nous avons, alors qu'est-ce que c'est que ça d'après vous? Un petit coin canapé tranquillou, j'ai l'impression que c'est un espèce de... ouais c'est une cheminée d'intérieur, avec des petits rangements, une très jolie armoire, très design. Ici nous avons une très belle table à manger, voilà une très belle table à manger, très moderne. Vraiment vraiment classe hein, pour le coup. Un petit frigo, je sais peut-être un peu, j'ai l'impression que c'est un frigo, je veux pas dire de bêtises. Ici nous avons sans doute voilà le coin cuisine avec encore un coin bar. Donc là la cuisine bar, vraiment c'est plus un bar hein. En vrai c'est plus un bar parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de... il y a des clients, il y a des tabourets et tout, etc. Et waouh, des fenêtres super là. Vous voyez qu'il joue beaucoup sur la hauteur hein. Vous avez qu'il y a des dalles et tout, genre vraiment ça joue beaucoup sur la hauteur et tout. Il a construit en dalle la plupart des zones. Vous voyez qu'ici c'est construit en dalle, on le voit parce qu'il fait ressortir un peu le... donc ça veut dire qu'en fait on n'est pas au niveau du sol, au niveau du sol il est plutôt là. Et vous voyez il a mis des dalles, donc c'est vraiment sympa, c'est très sympa. J'aime beaucoup, donc voilà, un rez-de-chaussée vraiment sublime. Et je sais pas, est-ce qu'on a manqué quelque chose? J'ai l'impression qu'on a rien manqué, non, on a tout vu. Très très joli avec une très belle vitrée, baie vitrée sur le jardin que j'ai pas montré ici. Alors, on va monter à l'étage, voir un petit peu. Donc j'espère que ces visites vous plaisent. Hein. Franchement, c'est cool de montrer tellement de talent. J'aurais vraiment chopé leur nom. Je sais pas, ils mettent pas leur nom, c'est dommage. J'aime bien vous dire, je peux pas faire COI comme sur le serveur et vous dire qui a construit. C'est un petit peu dommage. Attendez, je vais voir si j'essaie de casser. Non, bah non, ça me dit pas le nom du mec. Hein. C'est vraiment dommage, il a écrit nulle part. Voilà, ils font des constructions de fou, ils écrivent pas leur nom, ils sont trop modestes. Hein. Ils sont clairement trop modestes. Alors. Et ça sert à rien de me dire c'est moi qui l'a construit parce que je vous connais, vous allez tous dire ça et au final on saura jamais qui l'a vraiment construit cette maison. Oh la vue, oh là le soleil et tout, mais c'est génial, regardez des petits transats et tout. Une, non, sérieusement, une deuxième piscine. Non, c'est ok, c'est pas une piscine, c'est une fausse piscine, c'est un leurre. C'est un Velux, genre un Velux géant, une espèce de baie vitrée
genre de toit, de plafond géante. Je sais pas comment on appelle ça. On va appeler ça un toit en verre, voilà, un toit en verre géant plutôt. Ici, je ne sais pas du tout, apparemment des petits pots de fer. On est sur le toit, hein. Là c'est la partie entre guillemets où t'es pas censé te balader. Et du coup, des petites transats, une table de ping-pong, mais avec des couleurs de table de billard, assez original, et une petite terrasse pour se balader ici. Alors, on va voir le reste des surprises que nous réserve cette petite maison, hein, vraiment super cool. Allons-y, allons-y. Alors, ici, des petits bonhommes, encore des rangements. Vous avez dit, hein, je vous ai dit qu'il faut toujours creuser les murs comme ça. Ça, c'est une technique que je fais maintenant, utiliser les murs comme ça. Toujours utiliser la profondeur des murs à son avantage. Nous avons plein de couloirs, je suppose qu'on arrive dans la zone des chambres, logiquement. Alors, encore un coin canapé très très joli ici. Nous avons une très grande chambre à coucher, très moderne, avec des rangements sur les côtés. Apparemment, un espèce de rangement aussi, hein, des petits rangements et tout, etc. Une petite zone ici, alors c'est une douche. Oui, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est une douche, j'ai l'impression. Et ici, j'allais dire un évier, je sais pas trop. Je ne veux pas dire de bêtises. Une autre chambre à coucher, voilà, donc la chambre à coucher des amis, hein, à côté de la chambre du couple. Et on est de retour dans la zone ici. C'était pas si énorme que ça finalement. Genre finalement la maison n'était pas si énorme que ça, mais après c'est quand même très très bizarre. On va aller voir son voisin d'à côté. Je pense qu'allez, soyons généreux, je vais vous montrer deux maisons quand même. Ça pourrait être très sympathique. Oh, attendez, j'en profite pour prendre des photos. Parce que oui, en fait, le truc, c'est que je suis désolé de prendre des photos en pleine vidéo. C'est juste qu'en fait, comme j'ai pas accès au timeset, au slash timeset, ce qui m'embête, c'est que, bah, en fait, si j'attends trop pour prendre des photos, il fera nuit et je pourrais plus les prendre, en fait. Alors, on va voir son voisin d'à côté. On va aussi prendre des photos de son voisin d'à côté. Pourquoi pas, c'est pas. Écoutez, le règlement ne m'interdit pas de prendre des photos. On peut faire son paparazzi, ça n'est pas interdit par la loi. De ce côté-ci, est-ce qu'elle est jolie, sa maison, ou pas? On prend quand même. Alors, allons voir son voisin. Il a une maison plutôt sympathique. On va directement commencer par les différentes piscines que nous avons ici. Voilà. Alors, ce sont des piscines. Donc, il y a plusieurs bassins. Apparemment, le bassin jacuzzi, le grand bassin, juste ici. Et un autre bassin un petit peu plus privé. Pourquoi pas? Chacun sa piscine après tout. Voilà, ses potes aiment bien ne pas se mélanger. Voilà, on mélange pas les classes sociales. Voyez-vous, les riches dans ces piscines-là, les pauvres de ce côté-là. Genre, on est à un niveau de séparation sociale très élevé ici. Alors, du coup, bien sûr, ne pas reproduire ses soins. Ici, une très belle rangée de fleurs. Donc, apparemment, c'est un fleuriste. Il aime beaucoup planter des fleurs. Hein, très sympa. Et ici, alors oui, j'ai marché sur des plaques de pression. Ça a tout de suite déclenché l'alarme. Ici, nous avons l'entrée. Ah oui, c'est sécurisé. Hein, une belle entrée. C'est son garage. Hein, c'est son garage plutôt. Donc là, il a deux emplacements de voiture. Ils aiment bien mettre deux emplacements de voiture. Hein. J'ai l'impression ils aiment bien vraiment ranger leur voiture et tout. Un très joli coin canapé ici. Ils font leur canapé de façon assez originale. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est cool ça. Genre. Et je parie qu'il y a des il doit y avoir. Oui, il y a des fils d'araignée qu'on ne voit pas. C'est vraiment cool. Un très joli arbre ici. Ici, on a un petit. Une belle entrée. Ah oui. Une très très belle entrée hein, avec un peu de profondeur, vous avez vu différents niveaux et tout, très très design. On va passer à l'intérieur parce qu'il commence à faire nuit. Ici, une très jolie zone aussi avec des petits arbres et tout, etc. Apparemment, il aime beaucoup les fleurs. Vous avez vu, il y a beaucoup de fleurs chez lui, quelques arbres et tout. Pourquoi pas quelques arbres fruitiers pour donner des fruits pendant l'été? On va rentrer. Alors, je suppose que son entrée principale, je vais essayer de la trouver parce que je sais pas si c'est là en fait. J'ai l'impression que c'est ici, mais j'ai un doute. J'ai un petit doute sur son entrée. Ouais, c'est extrêmement design. Alors, avec les chaînes, on n'a pas grand chose. Je vais essayer de voir. Je vais commencer la visite. Je pense que l'entrée est là. Alors, ici, nous arrivons. Nous avons une très belle zone. On peut un petit peu tranquillou se poser entre amis. Hein. Ici, on a apparemment un sous-sol. On va directement voir le sous-sol. Alors, ça commence à être un petit peu sombre. Oh là là, c'est classe. Une très belle salle de bain. Très jolie salle de bain avec un peu de papier sur les côtés. Ici, on s'enfonce dans les profondeurs. On a des petites trappes d'or. Toute la zone qui est apparemment une très grande salle de bain, on dirait un restaurant, vous avez vu, souvent on dirait les restaurants, vous savez les salles de bain de restaurants, j'aime beaucoup l'architecture est ouf, hein. On va pas se mentir, vous avez vu ce bois là rend génial en salle de bain en fait, une petite douche ici, non c'est vraiment cool, ils ont des imaginations de fou, c'est vraiment sympa, genre surtout c'est des nouveaux designs de déco avec carrément une petite chambre, hein. Vous voyez des designs comme ça, mais c'est incroyable, hein. Genre c'est fou, genre là je me dis, mais attendez, mais en fait je me dis, je connais rien en moderne quand je vois ça, je me dis, mais je pourrais tellement faire des trucs quoi, genre. C'est waouh, c'est incroyablement beau. Hein. Genre, c'est vraiment, c'est ouf. Ces mecs-là sont des génies. Franchement, ils sont tous 1 milliard de fois plus forts que moi. C'est impressionnant, je trouve. Ici, regardez une cuisine en. Vous savez, en fait, je fais jamais ça, mais c'est vrai que genre jouer avec la profondeur et tout comme ça, mettre des lampes design et tout, c'est ouf. Sa maison est encore plus impressionnante que l'autre, je trouve, parce que son architecture d'intérieur est vraiment très très poussée. Je vais prendre de la glowstone en main histoire de vous éclairer un petit peu. Son architecture à l'intérieur, est-ce que ça éclaire ou pas? Ça a pas l'air d'éclairer. Attendez, F1. Non, ça éclaire pas. Est-ce que c'est parce que c'est Optifine? Non, je l'ai pas. On n'est pas en 11. Dommage. Alors, ici, du coup, parce que normalement, on peut éclairer un petit peu. Ici, nous avons un petit coin bureau très très design, très yoga. Hein. Un accès directement à la piscine ici. Un petit feu d'intérieur. C'est ultra classe. Hein, vous avez vu, regardez. Hein, une petite zone, un petit bureau, des petits tabourets, des petits poufs autour d'une table. Un petit bar ici. Vraiment sympathique. On va continuer un petit peu la visite, tranquillou. On va aller admirer un petit peu tout ça. Une belle table à manger juste ici. Un autre coin bureau par là.
Et bien sûr, un autre petit coin pouf. C'est vraiment très très zen, très relax. J'aime beaucoup. Moi, franchement, j'aime vraiment bien son architecture. C'est très très relax. On va monter au deuxième étage si on y arrive. Il n'y a pas de deuxième étage, j'ai l'impression. Ouais, c'est un leurre. Des panneaux solaires, une maison très écolo. Et je crois qu'on a tout vu, hein. Nous avons tout vu. Je vais essayer de vous montrer le maximum possible. Genre, je vous ai pas montré ici, l'escalier est très bien. C'est vraiment, en fait, il joue sur la profondeur. Vous avez vu, il y a des salles à différents niveaux. Il joue aussi avec vraiment la déco. Il faut vraiment des décos incroyables. Genre, vous voyez, des petits trucs comme ça, des petits trucs tout simples, etc. Moi, j'ai toujours tendance à mettre des trucs des deux côtés. J'essaie de faire l'étal un peu comme ça. Maintenant, ça aussi, pareil, voilà, le petit pilier qui attache ça. J'y pense jamais, mais c'est génial comme idée. J'étais beaucoup impressionné par cette chambre-là. Je voulais vous montrer parce que cette chambre-là est vraiment ouf, hein. Genre, rien que des petits trucs comme ça. Genre, vraiment, tout est bien pensé, en fait. Je trouve que vraiment, l'ergonomie de la maison est ouf. Genre, il n'y a pas un détail qui choque, vous voyez, c'est incroyable. Bon, du coup, les amis, on a fini la visite, c'était assez rapide. Après, bon, on va pas non plus traîner des heures et tout, etc. dans la maison. Une fois que vous avez vu, mais vraiment, vous avez vu, les talents de certains sont vraiment génialissimes. Donc, vous avez l'IP du serveur dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Vraiment, leur passer un petit coucou, leur dire que c'est de ma part, ça leur fera plaisir. Vraiment, il y a des créations de fou, etc. N'hésitez pas à encourager ces gens-là à continuer. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un max de likes, n'hésitez pas à partager un max la vidéo et vous abonner à la chaîne. À plus pour les prochaines aventures. Ciao tout le monde.